Bonjour, je suis Isabelle Fiévert, je suis responsable du Centre de documentation de l'INJEP, Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie Couronnet pour ses travaux sur les jeunes et les en jeunes en foyer de jeunes travailleurs. Les rendez-vous de la DOC, c'est un rendez-vous pour partager les résultats d'une étude, d'une évaluation ou d'une enquête réalisée par, pour ou avec l'INJEP. Donc aujourd'hui, nous accueillons Julie Couronnet pour ses travaux des jeunes en foyer de jeunes travailleurs. Ces travaux ont déjà fait l'objet de deux publications disponibles sur le site de l'INJEP. Il s'agit donc d'un rapport étude coécrit avec Julie Béné, chargée d'études et de recherches à l'INJEP alors. Et le titre, c'était Habiter pardon, en foyer de jeunes travailleurs, enquête exploratoire sur les parcours et expérience juvénile. Et la deuxième publication était INJEP Analyse et Synthèse, Habiter en foyer de jeunes travailleurs entre urgence sociale et coup de pouce. Ajouté à ces deux publications, la mission documentation de l'INJEP a réalisé une bibliographie sur les références disponibles au centre de documentation de l'INJEP. Les rendez-vous de la DOC, c'est aussi un moment de partage et d'échange. Vous pourrez poser vos questions à un quart d'heure de la fin du rendez-vous de la DOC qui doit durer 1 heure. Alors, il y aura des questions qui pourront être posées de la salle, mais aussi via votre ordinateur avec le système Q et R disponible en bas de votre écran. Ensuite, encore un mot pour vous confirmer que le rendez-vous, la bibliothèque est accessible et ouverte à tous. Les informations pratiques pour venir au centre de documentation sont disponibles sur le site de l'INJEP, www.injep.fr. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais effectivement d'un système de questions-réponses via l'ordinateur. Ce sera Joachim Timoteo, chef de la mission évaluation et recherche de l'INJEP, qui relayera à ce moment-là vos questions. Un dernier mot pour vous dire que le prochain rendez-vous de la DOC aura lieu fin juin. La thématique, ce sera les cités éducatives, présentées à l'occasion par Tana Stromboni. Et puis, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, voilà, et Roman Urbano. Je remercie aussi l'équipe de la mission valorisation et diffusion, sans qui ces rendez-vous de la DOC ne pourraient pas avoir lieu. Et je laisse enfin la place à Julie Cournet pour vous présenter les rendez-vous de la DOC. Oups, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette recherche que j'ai menée avec Julie Béné. Alors, cette recherche analyse les parcours des jeunes hébergés en FJT, foyer de jeunes travailleurs, et les expériences vécues par ces jeunes. Pour démarrer ce rapport, on s'est posé tout un tas de questions. Quelles sont les raisons qui conduisent ces jeunes à entrer en FJT? Qu'est-ce que cela implique au quotidien de vivre dans un chez-soi qui est provisoire et qui s'inscrit aussi dans un cadre collectif? Qui sont les jeunes logés en FJT? Quel rapport entretiennent-ils avec l'accompagnement dont ils vont bénéficier? Cette recherche est partie d'un double constat. Le premier montre que dans la littérature, en sciences sociales et humaines, il y a quand même peu de choses sur la question de l'accès au FJT. Et en interne aussi, au sein de l'INJEP, on a fait également un constat sur le fait qu'on avait peu de travaux sur la question de l'accès au logement des jeunes et on a l'intention de développer cette thématique au cours des prochaines années. Le second constat renvoie aux résultats de l'évaluation de la garantie jeune auquel j'ai participé. La garantie jeune, c'est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes vulnérables. Et au moment de cette évaluation, la garantie jeune fait partie du conseil scientifique et l'UNAJ, l'Union nationale pour l'habitat jeune, avait exprimé son regret que la dimension résidentielle ne soit pas assez prise en compte dans l'évaluation de l'accès à l'autonomie des jeunes vulnérables et dans l'analyse de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et ce rapport va tenter de combler ce manque en proposant une analyse des parcours juvéniles qui combine à la fois une analyse des parcours résidentiels et des parcours d'insertion sociale et professionnelle. Pour mener cette enquête, on a établi une convention de partenariat avec l'UNAJ
L'UNAGE est un mouvement d'éducation populaire qui regroupe environ 300 adhérents porteurs de projets concernant l'habitat jeune. Alors, l'habitat jeune, c'est une notion que l'UNAGE s'emploie à développer depuis plus de 15 ans. C'est une notion plus large que celle de logement ou de foyer et qui englobe l'ensemble des fonctions de la quotidienneté, comme par exemple se loger, être en emploi ou en formation, se nourrir et accéder aux loisirs. Alors, en introduction, je vais vous présenter les FJT. Qu'est-ce que c'est un FJT concrètement? Alors, un FJT a un double statut juridique. Il est à la fois un établissement et services et médico-social et une résidence sociale. Ce double statut va refléter un double objectif, celui de fournir un logement temporaire aux jeunes et de fournir un accompagnement socio-éducatif. Logement temporaire et accompagnement socio-éducatif. Officiellement, les FJT vont proposer aux jeunes un hébergement auquel se combine un accompagnement vers l'accès au logement autonome et une aide à l'insertion sociale et professionnelle. Pour ce faire, les FJT vont articuler un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Ils accueillent des jeunes âgés de 16 à 30 ans en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle. De manière générale, les contrats de séjour sont d'une durée maximale de 2 ans. Qui signifie que les FJT sont des logements provisoires, des logements transitoires pour les jeunes et dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Pour rendre compte de ces parcours et des expériences vécues par les jeunes hébergés en FJT, on a combiné une enquête qualitative et quantitative. J'en viens à vous présenter l'enquête en quelques mots. C'est Julie Bénet, mon ex-collègue que je salue, si elle nous regarde, qui a mené ce travail d'analyse quantitative. Ce que je peux vous dire sur ce volet quantitatif, c'est qu'il s'appuie sur l'analyse des données fournies par l'UNAGE et qui sont tirées de leur système d'information. C'est une source de données riche, avec certes des limites, comme tous les systèmes d'information, mais qui comporte des informations importantes sur les jeunes, une population qui est encore aujourd'hui peu étudiée. Ce volet quantitatif examine donc les profils et parcours de 40 000 jeunes, dont 25 000 ont terminé leur séjour au moment du traitement. Et ces 40 000 jeunes sont répartis sur une centaine d'établissements environ. En ce qui concerne l'enquête qualitative, elle a été réalisée au sein de 2 FJT qui sont situés en Île-de-France. Le premier que nous avons nommé le foyer Les Lilas est situé à 40 km de Paris, dans une zone industrielle, et il a un passé de résidence sociale. Il a aussi la particularité d'accueillir des familles ou des mères isolées, ce qui n'est pas le cas de tous les FJT. Et nous avons observé au sein de ce foyer des problématiques sociales beaucoup plus nombreuses que celles observées au cours du second terrain. Ce second terrain est un FJT qui est situé à Paris, qui est rattaché à une MJC qui vient d'être rénovée, qui dispose d'une infrastructure moderne et qui a un projet social éducatif assez ambitieux. Au total, on a réalisé 43 entretiens auprès des jeunes hébergés au sein de ces deux foyers et pour certains jeunes, on a pu les faire des entretiens à 2 reprises avant la crise sanitaire et pendant la crise sanitaire. En plus de ces entretiens qu'on a menés auprès des jeunes, on a tenu à réceptionner le regard des professionnels sur les jeunes qu'ils accompagnent et on a réalisé 6 entretiens auprès des directions et des conseillers des FJT. Sur les 34 jeunes qu'on a rencontrés, la plupart est âgée environ de 25 ans, le plus jeune est âgé de 19 ans, la plus âgée de 30 ans, qui avait quitté le foyer au moment où on la voit, et elle se faisait d'ailleurs appeler l'ancienne par tous et toutes. Notre population d'enquête se compose de 19 jeunes femmes et de 15 hommes. Une grande majorité d'entre eux est de nationalité étrangère. Alors, une fois que je vous ai présenté le contexte de l'enquête, la méthode, j'en viens à notre question de départ. La première question qu'on s'est posée, c'est finalement de savoir qui sont les jeunes hébergés en FJT et quelles sont leurs caractéristiques. Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer la manière dont les jeunes s'approprient le FJT, mais voilà, je tenais quand même à vous mettre
des illustrations de ce que c'est un appartement en FGT. Ce sont des photographies que les jeunes nous ont envoyées pendant l'enquête de terrain. Si vous souhaitez avoir des éléments sur la manière dont ils s'approprient l'espace, sur la manière dont ils décorent leur appartement, vous pouvez accéder au rapport. Alors, je continue toujours sur cette question. Qui sont les jeunes hébergés en FGT? L'un des enjeux importants portés par l'UNAGE consiste à assurer au sein des FGT la mixité des publics et un brassage social, comme on peut lire sur cet extrait de leur rapport annuel qui date de 2018. Ce principe de mixité et de brassage social est apparu tout au long de l'enquête comme un leitmotiv auprès des responsables des structures qu'on a rencontrées, mais aussi auprès des professionnels. Certains professionnels insistent davantage sur la diversité des profils. Ils veulent dans leurs établissements à la fois des jeunes en emploi, des jeunes étudiants, des jeunes en emploi précaire ou dans des emplois plus stabilisés. D'autres vont insister sur une répartition équilibrée entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Aussi, notre intention s'est portée dans un premier temps à qualifier socialement les jeunes hébergeants en FGT et à soumettre à l'épreuve empirique, finalement, ce principe de mixité et de brassage social. Pour caractériser ces jeunes, on s'est donc appuyé à la fois sur l'analyse statistique des données de l'UNAGE dont elle disposait et sur une enquête de terrain qualitative. Ce que montre l'enquête quantitative, c'est que les jeunes en FGT sont plutôt des jeunes hommes âgés en moyenne de 21 ans. Ils sont plutôt en formation ou en emploi. Au moment de leur entrée dans le logement Habitat Jeune, près de 6 jeunes sur 10 sont en formation, qu'ils soient en apprentissage, dans l'enseignement supérieur, en stage dans l'enseignement secondaire ou dans d'autres types de formations. Les apprentis, qui représentent près d'un quart des jeunes, constituent un public particulièrement présent au sein des FGT. Et ce constat est d'autant plus frappant que le taux d'apprentissage sur la population générale est beaucoup plus faible, seulement de 5%, et 25% pour les publics en FGT. Quant aux jeunes en emploi, ils forment la deuxième catégorie qui pèse le plus dans le public de l'habitat jeune. Ils représentent également un quart des effectifs. En définitive, d'un point de vue statistique, on a donc une population qui se caractérise par une forte présence de jeunes en formation ou en emploi, ce qui correspond bien au public cible des foyers de jeunes travailleurs, à savoir les jeunes en activité ou en voie d'insertion sociale et professionnelle. Les jeunes, lorsqu'ils occupent un emploi, sont le plus souvent dans des positions précaires, c'est ce que montre l'analyse quantitative. 6 jeunes sur 10 sont concernés par ce qu'on appelle des formes atypiques d'emploi. Ils sont soit en CDD, soit en intérim, soit en contrat aidé. Et seulement 38% d'entre eux sont en CDI, dont 28% en CDI à temps plein. Un dernier élément quantitatif, les jeunes qui résident en FGT ont des parcours scolaires variés, allant du niveau collège au niveau Bac plus 3 et plus. D'un côté, on a 25% des jeunes logés en FGT qui ont un niveau supérieur au bac, et de l'autre côté, 15% d'entre eux ne dépassent pas le niveau collège. Et les CAP et BEP sont des cursus particulièrement présents au sein de cette population, tout comme les baccalauréats professionnels ou techniques. On a donc des niveaux scolaires contrastés, une précarisation des conditions d'emploi qui sont mises en avant par l'enquête statistique et que l'enquête qualitative va venir confirmer. Alors, l'un des principaux résultats de l'enquête de terrain consiste à rendre compte d'une relative hétérogénéité sociale des jeunes qu'on a rencontrés au cours de nos deux enquêtes de terrain. Relative hétérogénéité, car ce qui apparaît très clairement, c'est qu'au sein des foyers de jeunes travailleurs, on n'a pas rencontré de jeunes issus des classes supérieures, c'est-à-dire issus de milieux sociaux qui seraient fortement dotés en capital économique, en capital scolaire, en capital culturel, et dont les emplois occupés par leurs parents seraient fortement valorisés et très rémunérateurs. Les jeunes qu'on a rencontrés sont issus des classes populaires. Notre enquête montre bien que s'ils appartiennent aux classes populaires, ils n'appartiennent pas tous aux mêmes franges, aux mêmes fractions des classes populaires. On a une partie qui appartient
aux franges des plus précaires des classes populaires et une autre partie qui appartient aux franges supérieures des classes populaires, voire des classes moyennes. Et pour distinguer ces jeunes issus des classes populaires les plus précaires de ceux qui sont issus des classes populaires les plus stabilisées, on a été attentif à ce qui les rapproche et à ce qui les distingue. On a observé toute une série de contrastes, tout un ensemble de clivages qui permet de distinguer les deux conditions sociales. Ces jeunes ont des parents avec des situations professionnelles plus ou moins stables, avec des revenus allant du RSA à des revenus moyens. Ces jeunes, pour certains, sont dans des migrations légales ou dans des migrations illégales risquées, au risque de leur vie, ce qui fait la différence en termes de conditions sociales. On a aussi des jeunes dans des rapports très différents à l'école, dans des rapports plus ou moins distants à la culture scolaire. Certains ont connu des ruptures scolaires précoces, alors que d'autres sont diplômés de Master 2. Et cette relative hétérogénéité sociale va se traduire également dans la manière dont ils appréhendent le travail et dans les situations professionnelles de ces jeunes. En effet, les jeunes enquêtés exercent des activités professionnelles très différentes. On observe des profils sociologiques différents. Sur les 34 jeunes qu'on a rencontrés au cours de l'enquête, 19 occupent un emploi, 3 sont en alternance et 4 déclarent rechercher un emploi. Les jeunes qui travaillent exercent dans différents domaines, le domaine de la restauration rapide, de la grande distribution, ils sont préparateurs de commandes. Ils exercent aussi dans le domaine de la santé, ils sont aides-soignants. J'ai également rencontré une auto-entrepreneur dans la vente de biens immobiliers. Ces jeunes exercent souvent leur emploi dans des conditions précaires, comme l'a montré l'enquête statistique, en intérim, à temps partiel subi, avec des horaires décalés. Ils ont des conditions de travail éprouvantes. Ils travaillent le week-end. Ils sont dans des emplois qui mobilisent beaucoup les corps avec des gestes répétitifs. Ils ont aussi des temps de trajet importants. S'ils ne sont pas véhiculés, c'est encore plus difficile parfois de se rendre au travail, surtout pour ceux qui sont hébergés dans le FJT qui est situé en zone industrielle. Donc, on a des jeunes qui exercent des emplois précaires, mais pas que. J'ai aussi rencontré des jeunes avec des emplois stables, fortement rémunérateurs, qui exercent, selon eux, selon leurs propres mots, qui exercent des emplois avec de bonnes places, dans de bonnes conditions de travail. Ces jeunes, on les a surtout rencontrés dans le foyer parisien et ils exercent la plupart du temps dans le domaine de la finance. Alors, pour les jeunes qui sont sans emploi, ce qui les caractérise, c'est qu'ils alternent depuis de nombreuses années des périodes d'emploi et des périodes de chômage. Parfois, ils n'ont pas assez cotisé pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage. Donc, ils ne disposent pas de revenus. Certains perçoivent le RSA s'ils remplissent les conditions ou sont en garantie jeune. Et pour d'autres, ils ont un projet de suivre une formation, que ce soit de passer le permis de conduire ou de suivre une formation auxiliaire de vie. Alors, je vais m'arrêter quelques instants sur le rapport au travail des jeunes. C'est un sujet qui m'anime depuis quelques temps maintenant. Et si l'on a tendance dans les médias à associer les jeunes à une génération désenchantée qui ne croirait plus à la valeur travail, une génération Z, Y, peu importe, qui zapperait, qui irait d'un employeur à un autre, je tiens à rappeler que les jeunes que j'ai rencontrés, qu'on a rencontrés, se confrontent à un marché du travail qui est compétitif et saturé. Les entretiens réalisés montrent à quel point le marché du travail et de l'emploi s'est complexifié et s'est durci. Clairement, aujourd'hui, le marché de l'emploi et du travail se caractérise par une injonction très forte à la flexibilité et par une mise en compétition de plus en plus difficile. Je prends le cas de Leïla, par exemple. C'est un cas qui m'a frappée pendant l'enquête. Je vous ai mis un extrait d'entretien. Alors, je vais résumer la situation de Leïla. Donc, au moment où je la rencontre, elle est hébergée au FJT Les Lilas depuis 7 mois. Elle est âgée de 26 ans. Et Leïla, depuis l'âge de 18 ans, elle enchaîne une série d'emplois précaires, jamais de longue durée, je reprends ces mots.
Elle est successivement animatrice en périscolaire dans une école maternelle. Elle assure les cantines et la garderie du soir. Puis elle est AVS pendant un an. Et ensuite, elle fait quelques remplacements en tant qu'hôtesse de caisse. Par la suite, elle va exercer un emploi en tant que boulangère en CDI. Elle va travailler soit du matin, soit du soir. Elle n'a qu'un seul jour de congé dans la semaine. Mais malheureusement, elle va développer des allergies à la farine, ce qui l'oblige à quitter cet emploi et s'ensuit une période de chômage d'un an. Au moment où je la rencontre, elle reprend un emploi d'hôtesse de caisse dans une grande enseigne de supermarché, une bonne place, selon ses mots, mais elle n'est pas reconduite suite à la période d'essai. Et elle va passer un long moment pendant l'entretien à me raconter le processus de sélection qu'elle a subi pour accéder à ce poste d'hôtesse de caisse. Donc, comme elle le raconte dans l'extrait d'entretien que je vous ai mis, elles sont au départ 14 jeunes filles. 14 jeunes filles sont reçues en entretien collectif, puis 5 sont sélectionnées pour à la clé un seul CDI. Pour Leïla, cette procédure de sélection, elle est exigeante, elle est déstabilisante et elle constitue une série de mises à l'épreuve pour se présenter devant un collectif et pour se soumettre à des tests qui consistent à comparer le plus rapidement possible deux tickets de caisse et repérer les différences entre ces deux tickets. Donc Leïla, elle est prise en période d'essai avec quatre autres jeunes femmes, mais elle n'est pas reconduite pour le CDI. Du coup, elle travaille quelques mois dans cette enseigne et les raisons qui lui sont invoquées, c'est qu'elle ne serait pas assez proche des clients. Autant vous dire que ne pas être assez proche des clients, elle ne comprend pas finalement ce qu'on lui reproche. Elle ne comprend pas ce qu'on lui reproche et elle n'aura pas d'autre explication. Elle me dit en entretien, pourtant, moi, je disais bonjour, au revoir. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette expérience de travail qui n'aboutit pas à l'obtention du CDI à cette bonne place, c'est que cette expérience constitue dans le parcours de Leïla une déception importante dans son parcours professionnel et qui va me confier par la suite avoir eu du mal à rebondir suite à cette expérience. Et ce découragement est très caractéristique des jeunes des classes populaires les plus précaires qui, quand ils vont se confronter au marché du travail, connaissent de nombreuses mises à l'épreuve, des échecs et des déceptions. Je reviendrai sur un dernier résultat, toujours en lien avec l'hétérogénéité relative qui caractérise les jeunes rencontrés au cours de l'enquête de terrain et hébergeant FJT. Et cette hétérogénéité va se traduire dans la coexistence au sein des FJT de deux profils de jeunes, ceux que j'ai appelés urgence sociale et ceux qui seraient dans un effet coup de pouce en entrant au FJT. Alors, ces deux profils renvoient à deux manières de concevoir le foyer de jeunes travailleurs au regard des attentes des jeunes. Le premier renvoie donc à l'urgence sociale et le second renvoie au coup de pouce. Donc, l'urgence sociale, le premier type, renvoie à des jeunes qui sont plutôt issus des fractions les plus précaires des classes populaires et dont les parcours sont très fortement marqués par une précarité économique et sociale et par une instabilité résidentielle. Ils ont souvent vécu des expulsions de logements dans leur enfance. Et en étant hébergés en FJT, ces jeunes sécurisent pour un temps et en partie leurs conditions de vie en accédant à un chez-soi, même si ce chez-soi est provisoire. Certains racontent en entretien le vrai soulagement que va représenter le fait de pouvoir poser ses valises à un endroit, de gagner en autonomie et d'échapper à des conflits familiaux qui sont souvent à l'origine du départ du domicile des parents, ou alors mettre fin à un placement en institution. Pour certains jeunes, ils sont passés d'un foyer de protection de l'enfance à un autre, avec le contrôle que ça implique. Et donc, ils sont soulagés d'accéder à un peu plus d'autonomie. Donc, ces profils vont regrouper plutôt des jeunes faiblement ou pas diplômés, en rupture familiale, ayant des problèmes de santé pour certains, et ayant à charge un ou deux enfants. Ce type, il s'illustre particulièrement dans le cas de Victor.
Donc, Victor, c'est un jeune qui a été suivi toute son enfance par les services de protection de l'enfance suite à des maltraitances au sein de sa famille. Il quitte le domicile familial et il se met en couple avec une jeune femme dont il va se séparer au bout de quelques années. Et suite à cette rupture conjugale, il va se retrouver sans logement, il ne bénéficie pas de soutien familial, il a très peu de ressources et il se découvre au moment de sa vie une maladie chronique avec des conséquences lourdes sur son quotidien et notamment sur ses capacités physiques à tenir au travail. Et donc là, il va faire appel au FJT qui va lui permettre de stabiliser sa situation résidentielle, de se soigner et d'accéder à un emploi conciliable avec sa maladie. Le deuxième profil, qui est celui du coup de pouce, concerne des jeunes, ayant des conditions sociales relativement plus stabilisées. Pour eux, l'hébergement FJT représente un coup de pouce, une aide, pour leur permettre d'accéder à une condition sociale à la hauteur de leur diplôme et de leurs attentes. Ils sont diplômés de l'enseignement supérieur, toujours en études, ou ils sortent d'écoles de commerce ou d'autres types d'écoles privées, et ils sont issus des classes populaires les plus dotées, voire des classes moyennes. Et le FJT s'inscrit dans un projet de vie qui se caractérise par l'accès à un emploi stable, bien rémunéré, et il se projette aussi dans l'accès à la propriété. Il se projette dans le fait de pouvoir, à la sortie du FJT, contracter un crédit bancaire et accéder à un bien immobilier afin de stabiliser leurs conditions d'hébergement et leur situation professionnelle. Donc cet habitat, l'habitat en FJT, leur permet d'exercer un emploi qu'ils considèrent comme une bonne place ou de réaliser un apprentissage dans une grande entreprise, dans une bonne boîte, comme ils disent. Ils vont se représenter cet habitat comme un bon plan, comme un logement à moindre coût au regard des loyers franciliens qui leur permet de construire leur avenir. Le coup de pouce s'illustre particulièrement dans le cas d'Alicia. Alicia, quand je la rencontre, elle a obtenu un diplôme dans une école privée d'architecture, une école qui lui a promis à la sortie qu'elle trouverait un emploi rapidement, mais ça ne se passe pas comme ça. En fait, elle ne dispose pas d'un réseau social suffisamment, un réseau social et professionnel, pour trouver une place d'architecte. Et donc, à la sortie de cette école privée, elle va éprouver des difficultés à trouver un emploi dans son secteur et elle va devoir endosser le statut d'auto-entrepreneur pendant 2 ans et, cumulé à cette activité d'auto-entrepreneuriat, exercer un emploi alimentaire en tant que vendeuse dans un grand magasin parisien. Donc, pendant 2 ans, elle va être auto-entrepreneur et vendeuse de chaussures, mais au final, elle va réussir, à la fin, à accéder à un emploi d'architecte d'intérieur dans une structure qu'elle qualifie de bonne place. Alors, le principal enseignement de ce rapport, à mon avis, consiste à montrer à quel point les parcours des jeunes que nous avons rencontrés ou ceux que l'enquête quantitative a traités sont emblématiques de la précarisation du marché de l'emploi et de la saturation du marché du logement. Les jeunes précaires sont très impactés, mais les plus stabilisés ne sont pas non plus épargnés, même s'ils vont arriver à accéder à l'emploi et au logement pérenne de manière un peu plus rapide. Mais cet accès à l'emploi et au logement autonome va être fourni au prix de nombreux efforts, au prix de nombreuses mises à l'épreuve et au prix de nombreuses déceptions sur une période assez longue. Et on voit bien que le temps de l'insertion sociale et professionnelle, il s'étire de plus en plus. Travailler et se loger représente alors, pour les jeunes qu'on a rencontrés, une véritable course d'obstacles vers l'âge adulte, et pour laquelle l'accompagnement à FJT leur permet de sécuriser en partie et pour un temps leurs conditions de vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions. À ce moment, je rentre en scène. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Julie, pour
avoir rendu compte de ce travail très riche que tu as pu produire en compagnie de Julie Bénet il y a maintenant quelques temps et qui vient illustrer effectivement le travail que nous avons commencé à initier à l'INJEP sur les questions des conditions de vie et en particulier celle de l'accès au logement. Alors, il me revient de prendre les questions de celles et ceux qui nous regardent des distances, mais aussi celles et ceux qui sont parmi nous ici dans la salle. Je ne sais pas si d'ores et déjà on a des questions. J'en vois une au bout de la salle. Je vous demanderai juste de parler un peu fort parce que les conditions techniques ne sont pas très pratiques. Et j'attends vos questions sur le chat en attendant. Sinon, moi, j'en ai deux, trois en réserve. J'ai une petite question qui ne fait certainement pas l'objet d'un axe d'un focus dans le rapport, mais sur les interactions entre la catégorie des jeunes qui poussent et la catégorie des jeunes d'urgence sociale. Est-ce que du coup, il y a des liens qui vont se créer entre ces deux catégories? Est-ce qu'il y a une relative mélange, mixité en fait, de ces catégories de population? Comment ça a été rendu lisible en fait, sur le terrain? Donc, je ne sais pas si on a entendu à distance, mais la question, c'est que comment la relation se fait entre les deux catégories de jeunes, ceux que tu as décrits du côté des gens sociaux, puis ceux du côté du coup de pouce. Voilà. D'une certaine manière, comment on fait vivre la mixité sociale aussi au sein des foyers jeunes travailleurs? Alors, elle ne se fait pas forcément de manière spontanée, mais c'est là tout l'objectif de l'accompagnement collectif qui est mis en place au sein des foyers. Et qui mettent en place des activités qui font en sorte de rencontrer les plus dotés et les moins dotés. Par exemple, concrètement, pour une partie des jeunes qui ne maîtriseraient pas complètement la langue française, ils mettent en place avec les jeunes les plus à l'aise avec la langue, les plus diplômés, des ateliers d'apprentissage de la langue où bah, finalement les jeunes se rencontrent, s'aident. Et il y avait même un début d'écriture de livre où un jeune qui avait bénéficié du statut de mineur non accompagné, qui était passé par un long périple pour accéder en France, commençait à se raconter à un autre jeune qui commençait à écrire son histoire. Donc ça peut concrètement se mettre en place via le travail des professionnels des foyers. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai deux questions sur le chat qui reviennent un peu sur la partie descriptive, enfin la question de l'entrée en foyer jeune travailleur que tu as commencé à décrire tout à l'heure. Une question pour savoir si toutes les deux, vous avez étudié les profils des jeunes dont l'entrée en foyer de jeunes travailleurs aurait été refusée. On a évoqué ceux qui sont dans les foyers, mais la question de l'accès à ce type de service. Et puis une deuxième question un peu distincte mais quand même, est-ce que tu as connaissance de petits foyers de jeunes travailleurs en milieu rural en gros, est-ce qu'il y a une distinction dans le travail entre urbain ou rural? Tu as évoqué les foyers de jeunes travailleurs que vous avez enquêtés de manière qualitative, mais est-ce que par ailleurs il y a des infos sur le milieu rural en la matière? Alors, sur l'entrée des jeunes en foyer de jeunes travailleurs, alors, comme on a fait une enquête sur les jeunes en foyer de jeunes travailleurs, on n'a forcément pas vu ceux qui n'y rentrent pas, mais toutefois, ce que nous dit la littérature, et notamment les travaux de Pascal Dietrich, c'est que, en tout cas pour les jeunes qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance et qui vont rentrer par la suite en foyer de jeunes travailleurs, ces jeunes-là, ce sont souvent quand même les jeunes qui répondent parfaitement aux demandes des institutions, qui sont conciliants avec l'institution, et parce qu'ils répondent aux injonctions de l'institution, en fait, ils vont bénéficier de l'accès au FJT et finalement limiter au maximum l'absence de logement entre la sortie de l'aide sociale à l'enfance et la suite. Il y a quand même une discussion, une sélection qui se fait par le travail des professionnels des FJT pour savoir si les jeunes ont des revenus suffisants pour pouvoir assumer les prix des loyers par la suite. Donc, tous les jeunes, clairement, n'accèdent pas au FJT et ils y accèdent sur certaines conditions. Et sur la ruralité, alors, il y a une autre question qui est arrivée depuis sur effectivement qui rappelle, tu l'as bien dit, que le travail a été fait sur un terrain plutôt francilien, oui. Pas parisien, mais francilien. Donc, la question, c'est est-ce que, à votre connaissance,
Il y a des points communs avec des foyers de jeunes travailleurs de province, de taille, dans les villes de taille moyenne. Et question corollaire, celle que je posais tout à l'heure, des différences éventuellement avec des foyers en milieu rural. Est-ce que c'est des choses que vous avez regardées ou pas dans l'étude ? Alors, on n'a pas fait d'enquête de terrain en milieu rural, mais ce que montre l'enquête qualitative qui s'est juste fixée sur deux foyers, un parisien et un situé en zone urbaine, c'est quand même une très grande différence, que ce soit en termes d'infrastructure ou que ce soit en termes de taille d'équipe. Et ça fait une sacrée différence. Le foyer qui est situé en zone urbaine, on voit bien que pour accéder à l'emploi, par exemple, ne pas avoir le permis de conduire et être hébergé dans ce foyer francilien situé en zone urbaine, c'est quand même, en termes d'accès à l'emploi, un frein, puisque si vous n'êtes pas véhiculé, OK, il y a des transports, mais il faut prendre un bus, puis un deuxième bus, un bus qui ne passe pas pendant les vacances scolaires, et donc ça rend quand même compliqué l'accès à l'emploi. Donc, très clairement, je pense qu'il y a de grandes disparités entre ce que proposent les FJT entre eux et qu'effectivement, ça serait hyper intéressant par la suite d'aller enquêter en milieu rural, notamment dans leur accès à l'emploi et aux services publics. Donc, des pistes pour la suite qui se dessinent déjà. Pour la suite, il y a certains jeunes qu'on a rencontrés plusieurs fois et voilà, si c'était possible, j'aimerais avoir une perspective un peu longitudinale sur ces jeunes qui, en plus, sont en train de traverser une crise sanitaire dont on va connaître les conséquences au fil des années. Mais voilà, ça serait quand même continuer à garder contact avec ces jeunes et à rendre compte de leur parcours aussi à la sortie, quoi. Qu'est-ce qui se passe après le FJT ? Est-ce qu'ils continuent pour certains à être comme ça dans une forme d'institutionnalisation ? Est-ce qu'ils vont continuer de passer de FJT en FJT ? Est-ce que certains vont accéder à un logement social ? Ou est-ce que d'autres vont investir dans le logement privé ? Voilà, ça serait pertinent de continuer à les suivre par la suite. Il y a justement une question, avant que je repasse à la salle, il y a une question dans le chat, effectivement, sur le passage au... soit l'accession à la propriété, cette envie d'accéder à la propriété, ou en tout cas ces transitions vers un autre type de logement. Comment est-ce que ces transitions se travaillent, se préparent ? Alors peut-être que ça renvoie. J'ai une deuxième question, du coup, je réponds à Cécile. Alors, une seconde, sur l'accès à la propriété, ils sont, en tout cas sur ceux qu'on a rencontrés, une petite partie à se projeter dans l'accès à la propriété, parce qu'il voilà, il faut contracter un crédit et bénéficier d'un apport, ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde. Mais pour ceux qui gagnent bien leur vie au moment où ils sont en FJT, en fait, ils arrivent à mettre de côté pour pouvoir constituer un apport par la suite. Ce que je voudrais dire quand même, sur ce que j'observe sur les jeunes des classes populaires, et ce que je n'ai pas dit, mais ce qui me paraît quand même très important, c'est qu'une expression qui revient souvent dans leur discours, c'est cette volonté d'accéder à la classe moyenne. C'est-à-dire qu'ils veulent une vie comme les autres. Ça, c'est une expression qui revient. Et avoir une vie comme les autres, c'est avoir un emploi sans trou, je reprends leur expression, et avoir un logement autonome, c'est-à-dire avoir les moyens de pouvoir accéder à un logement autonome. Et cette volonté d'accéder à une norme, à la condition de la classe moyenne, elle est assez forte dans leur discours, et l'accès à la propriété fait partie de cette volonté d'accès à la classe moyenne. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, j'en vois deux, donc on va répondre je vais prendre la première. Alors, parle un peu plus fort. J'ai une question déjà, merci déjà Julie pour ton travail. Des précisions que tu as pu apporter sur les FJT, sur le public des FJT. Je voulais savoir si tu avais des éléments sur l'évolution de ce public, justement, notamment la répartition entre l'urgence sociale et puis le coup de pouce. Est-ce que tu as pu voir des évolutions ? Est-ce qu'elles sont le signe éventuellement d'une précarisation de la jeunesse ? Ou éventuellement aussi peut-être des politiques d'accueil des FJT qui ont peut-être évolué depuis les années 70-80, par exemple. Donc, est-ce que tu as des éléments comme ça sur l'évolution un peu des publics et puis des missions aussi du FJT ? Quelle évolution des publics dans la répartition des deux catégories qui sont identifiées et comment, quelles évolutions
on peut peut-être déceler au travers des politiques des foyers jeunes travailleurs au cours des dernières années. Alors, une des évolutions que je me permettrais de souligner, et qui ne concerne pas que les FJT, mais qui est assez présente en ce moment, il me semble que c'est la prise en charge des ex-mineurs non accompagnés, qui constitue clairement un public pour les FJT, et qui va reposer la question de la mixité. Dans un des foyers que j'ai investigué, ils sont nombreux, et ils pourraient tous les accueillir, mais du coup, ça remettrait en péril cette mixité et cette volonté de maintenir des profils différents. Donc, clairement, les ex-MNA, ils sont quand même plutôt du côté de l'urgence sociale, mais pas tous. Mais voilà, il y a ce public-là qui leur pose question et dont ils imaginent quand même la suite pour voilà, comment on tient cet équilibre au sein de nos structures. Voilà. Une autre question, oui. Deux petites questions un peu pratiques pour le fonctionnement des FJT. Est-ce que au niveau de l'encadrement, est-ce qu'il y a des quotas et un peu quels sont les profils, les métiers des encadrants? Et aussi, est-ce que c'est le fait que ce soit des contrats temporaires de logement, est-ce qu'ils sont est-ce qu'on peut changer de foyer et reprendre un contrat, ou est-ce que le côté temporaire est commun à tous les FJT? Et du coup, est-ce qu'il y a des profils de jeunes qui enchaînent justement des contrats en FJT, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver un logement ou autre? Alors oui, moi j'ai rencontré des jeunes qui venaient d'un foyer de jeunes travailleurs et qui, au moment où je les rencontre, sont dans un autre foyer de jeunes travailleurs. Et dans la manière dont ils perçoivent l'après-FJT, c'est-à-dire à la fin de ces 2 ans qui sont un peu la règle générale, se projettent dans un autre foyer de jeunes travailleurs. Donc ceux-là, ils sont dans un parcours très institutionnalisé. Ce sont souvent des ex-mineurs non accompagnés, donc ils sont passés par des foyers de protection de l'enfance, et ensuite ils intègrent les foyers de jeunes travailleurs. Et en fait, ceux-là, ils sont dans une redistribution de leurs revenus à leur famille qui est restée au pays, donc souvent en Afrique noire. Et donc le relatif faible coût du FJT, en fait, leur permet de redistribuer à leur famille et de faire en sorte que leur famille puisse subvenir à leurs besoins. Au sein des équipes de FJT, donc vous pouvez croiser des chargés d'accompagnement. Vous pouvez croiser. Bon, il y a l'équipe de direction, des chargés d'accompagnement, des animateurs socio-éducatifs qui sont chargés de mettre en place l'accompagnement collectif. Et les chargés d'accompagnement, eux, font un suivi relationnel, bien sûr, mais aussi administratif sur la demande de logement social, sur le fait de toucher les APL, sur la santé des jeunes, etc. Et en fait, ils se combinent à la fois des personnes qui mettent en place l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif au quotidien. Alors, 2 autres questions encore dans la salle. Merci beaucoup, Julie. Moi, j'avais juste une petite question sur les enjeux de rapport de genre et de mixité dans les FJT. Et une 2e question sur comment font les jeunes qui sont en situation de parentalité. Comment c'est acceptable dans les FJT, parce qu'il y a une partie des jeunes qui peuvent être parents, et comment c'est pris en compte par l'institution, et est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a eu un MeToo FJT ou pas du tout pour l'instant? Donc je reformule juste pour ceux qui nous écoutent à distance. Comment on prend en compte la question de la parentalité, donc des jeunes? Jeunes mamans, des jeunes papas, mais peut-être plutôt des jeunes mamans, peut-être, je ne sais pas, accueillis dans ces structures, comment justement les animateurs, les animatrices et les conseillers intègrent, et les personnels de direction intègrent ces parcours. Et la première question… Sur la mixité et les rapports de genre entre les jeunes. Voilà. Comment on traite les rapports de genre entre,
dans ces structures, par rapport aux garçons-filles. Oui. Alors, sur la parentalité, en fait, il y a des FJT qui font le choix d'accueillir des mères, c'est souvent des mères isolées avec enfants. Dans l'un des deux, c'était le cas, ils accueillaient les couples, donc tu avais des doubles, et tu avais aussi un accompagnement qui se destinait aux mères isolées avec enfants. Clairement, dans les profils des jeunes mères que j'ai pu rencontrer, ce sont des problématiques sociales ancrées, difficiles, qui s'inscrivent dans une précarité économique et résidentielle importante du fait de la prise en charge des enfants. Et pour certains des enfants avec des troubles, qui fait que c'est quand même difficile de concilier une vie professionnelle et la garde de ses enfants. Donc là, le FJT, dans son public cible, va cibler les familles et les mères isolées, ce qui n'est pas le cas de tous les FJT. Et les FJT avec, par exemple, j'avais le cas d'une jeune femme qui était enceinte sur le foyer parisien qui n'était pas destinée à accueillir des bébés et des mamans. Voilà, il y avait une sorte de préparer pour la suite, quoi, et de changer de structure. Sur les rapports de genre entre hommes et femmes au sein du foyer, bizarrement, quand j'ai posé la question des relations sexuelles, de la drague et tout ça, c'était pas trop évoqué. J'avais même plutôt l'impression qu'il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ce qui ne veut pas dire que chaque jeune fait venir son conjoint ou sa conjointe, ce qui n'est pas forcément autorisé, mais il trouve des mises en scène, des moyens de contourner le règlement pour faire dormir le conjoint ou la conjointe dans l'appartement, en mettant par exemple une petite chauffeuse, parce que dormir à deux dans un lit petit, c'est pas évident. Mais voilà, moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même un entre-soi masculin et un entre-soi féminin. Voilà ce que je peux dire sur... Merci Julie. Une autre question de la salle. Une question sur les conditions de revenus pour accéder au FJT. Est-ce que vous avez étudié ça dans votre étude ? Alors, donc une question sur les conditions de revenus pour accéder au foyer jeune travailleur. Est-ce que c'est quelque chose qui a été regardé dans l'étude et... Alors, on ne l'a pas regardé précisément. Il y a un revenu seuil que je n'ai plus en tête, mais... En fait, il faut qu'ils ne soient pas dans des situations non plus trop précaires, parce qu'il faut faire, il faut avoir les moyens de payer les loyers. Et en même temps, ce n'est pas destiné non plus à des jeunes qui gagneraient très bien leur vie. Mais effectivement, leurs conditions de revenus sont étudiées au moment où ils vont solliciter le FJT pour pouvoir y rentrer. Mais dans le rapport, il me semble que les revenus moyens dont disposent les jeunes en foyer de jeunes travailleurs à leur entrée, il est autour de 770 euros. Alors, il y a aussi, merci beaucoup Julie, il y a quelques questions sur le chat, sur un peu de demandes descriptives sur les foyers de jeunes travailleurs, et puis d'autres sur lesquelles je vais plutôt revenir en priorité pour tout ce qui est... complément quantitatif, je vous renvoie aussi au rapport qui est en ligne sur le site de l'INJEP, le rapport complet, en plus du très beau 4 pages qui a été produit et qui est également en ligne sur le site de l'INJEP. Donc, vous aurez sur la première partie qui revient sur l'enquête quantitative, telle que Julie a précisé tout à l'heure, des éléments plus complets, plus descriptifs sur la population, au travers d'ailleurs des statistiques issues du système d'information de l'UNAGE, que je salue au passage. Je sais que des collègues de l'UNAGE nous regardent et nous écoutent à distance. Donc, ces éléments sont décrits dans le rapport. Donc, n'hésitez pas à les regarder dans le rapport plus complet qui est en ligne. Moi, j'ai une question. Ceci étant dit, une petite question sur le chat qui revient sur des éléments que tu as déjà évoqués sur la place des animateurs, l'animation collective, l'accompagnement collectif, etc. Une question sur la façon dont justement, est-ce que vous avez regardé la façon dont les jeunes participent justement à cette vie collective, parce qu'on va parler du travail des,
des animateurs dans ces structures. Comment les jeunes, en retour, eux, s'impliquent dans la vie du foyer? Alors, l'enquête avait pour projet de mettre en place des séances d'observation de ces animations collectives, mais dans le premier foyer qu'on intègre, en fait, l'animateur socio-éducatif, enfin le poste d'animation socio-éducatif est vacant, et donc il y a une pause en termes d'accompagnement collectif. Et ensuite, vient la crise qu'on a traversée, les confinements, et donc une absence, en tout cas au moment des enquêtes d'animation collective. Donc, je n'ai pas eu l'occasion concrètement, et je le regrette, d'observer des actions collectives. Mais en tout cas, ce qu'ils racontent, ils peuvent raconter. Voilà, il y a des activités collectives qui sont encadrées, organisées, telles que, par exemple, des ateliers mère-enfant dans le premier foyer. Des pratiques du sport, voilà, il y avait une salle de sport, un animateur sportif là, qui avant le Covid, avant que le poste soit vacant, qui mettait en place des entraînements. Et puis dans le second foyer, il y avait des sortes de brunch, voilà, une activité socio-éducative autour de la cuisine, du partage, qui ont été relatées par les jeunes. Des questions dans la salle, peut-être pas. Alors, une question qui revient de temps en temps, d'ailleurs, sur le chat, c'est celle de la sortie. Je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir sur la question de la sortie? Est-ce que, on parlait tout à l'heure de la transition vers le logement social, enfin, l'aspiration en tout cas à la sortie vers le logement social, est-ce que vous avez regardé les conditions et les mesures d'accompagnement, peut-être spécifiques, qui auraient été... celles qui permettent d'accéder à un logement autonome ou est-ce que le retour de ces jeunes se fait chez des proches, enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin? Clairement, pour une partie des jeunes hébergés en foyer de jeunes travailleurs, notamment les mères avec enfants, le fait d'être hébergé en foyer de jeunes travailleurs, c'est une chance, entre guillemets, d'accéder à un logement social de manière un peu plus rapide. Et donc, elles sont en attente du logement social, le logement social qu'elles considèrent comme un vrai chez-soi. Et c'est celles qui ont exprimé certainement le plus d'impatience et qui, voilà, pour elles, être hébergées en foyer de jeunes travailleurs avec un enfant, c'est-à-dire que l'enfant ne bénéficie pas de sa propre chambre, donc elles sont contraintes de dormir avec les enfants dans la même chambre, c'est difficile, et elles souhaitent accéder à un vrai logement. Et le vrai logement, c'est le logement social. Elles ont très bien compris le jeu du marché immobilier et elles savent très bien qu'elles n'auront pas accès à un logement dans le parc privé parce que les garanties sont telles que ce n'est pas possible pour elles d'apporter des garanties suffisantes. Donc, le logement social reste quand même la projection de ces jeunes. D'autres jeunes, comme je l'ai dit, vont se projeter dans un autre foyer de jeunes travailleurs. Certains vont intégrer le marché privé, mais ceux qui intègrent le marché privé, c'est ceux qui ont un emploi stabilisé à la sortie du FJT, et d'autres vont retourner en famille. Mais moi, ce qui m'apparaît, c'est que pour certains, c'est le logement social qui fait référence, et pour d'autres, c'est l'accès à la propriété ou au parc privé en location. Mais ça reste quand même difficile en termes de garantie et de coût des loyers pour y accéder, quoi. S'il y a d'autres questions dans la salle. Alors, j'ai une remarque de Didane sur... je salue le collègue de l'UNAGE qui nous écoute sur la relation entre précarité et coup de pouce et surtout sur... il revient sur le fait que le lien entre précarité sur le marché du travail et accès et rupture du statut de résidence. Hein. Je crois que la remarque que fait Dylan est très juste sur le fait que d'autres remarquent aussi dans ce sens. On a aussi des jeunes
comme les autres d'une certaine manière dans ces structures. Voilà, c'est la rupture du statut de résidence qui quelquefois aussi se traduit par aussi plus de précarité. C'est pas dans l'autre sens. Tu as dû voir un peu la diversité de ces parcours-là. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut combiner une analyse à la fois des parcours d'insertion sociale et professionnelle et des parcours résidentiels. Et on voit très bien que les deux se font écho, se combinent. Et c'est vrai que dans l'évaluation des dispositifs, on a tendance quand même à fixer le regard sur l'accès à l'emploi et au travail et à moins regarder l'accès au logement. Et ça, je pense qu'en fait, il faut imbriquer les deux parce que ce sont les deux qui font un parcours d'insertion sociale et professionnelle et qu'aujourd'hui, le regard est porté sur l'accès à l'emploi. Très bien. Merci beaucoup. D'autres questions? Je regarde sur le chat. Il n'y a pas de nouvelles questions. L'impact du Covid, ça, on l'a évoqué. Je pense qu'on a à peu près tout balayé. On arrive bientôt à la fin de cette séquence. J'espère avoir pu relayer le maximum, si ce n'est la totalité des questions qui sont sur le chat. D'ailleurs, je remercie la quelques centaines de personnes qui nous regardent à distance maintenant. Merci à vous pour avoir suivi tout au long de cette heure consacrée à ce travail sur les conditions de vie des jeunes et en l'espèce sur la question de leur accès au logement au travers des Faits Jeunes Travailleurs. Merci Julie pour ta présentation. Merci à vous tous pour votre écoute, qu'elle soit à distance ou dans la salle. Merci aussi pour votre présence ici en nombre un peu plus restreint, mais tout aussi importante. Et puis, on vous donne rendez-vous le mois prochain, comme Isabelle Fievier nous l'a dit en début de séquence, pour un nouveau rendez-vous de la DOC consacré aux cités éducatives et à leur évaluation. Merci beaucoup, bonne journée à vous et à très bientôt. Merci encore, Julie. Merci.